Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de notre aventure sur Biomutant. On s'était arrêté ici la fois dernière, hein, tout simplement, et on devait aller voir Wiz, qui est carrément de l'autre côté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plutôt faire une petite quête annexe. Non, on va faire celle-ci. Peut-être ça dévoile l'escalade. Voilà. On va faire ce genre de petite quête annexe et après on ira directement voir Wiz. Donc comme ça, ce sera fait. On aura fini une quête annexe supplémentaire. Et après, on enchaînera directement, je pense, avec l'aventure principale. Donc, c'est parti, let's go. Alors, en cours de route, hein, en cours de chemin, on ira peut-être voir des petites bâtisses qu'on n'a pas explorées et tout, histoire d'avoir un peu plus de matériaux et tout, etc. Et après, on fera des petites quêtes, enfin, on fera la quête annexe en même temps. Et voilà, pendant la quête annexe, je vais pas trop parler parce que bon, il y a que du parcours. On va aller sûrement à droite et à gauche pour escalader des petits trucs. Ces vieux tas de briques cachent de sacrés Voilà, trésors. comme ici par exemple. Et après, on ira directement faire la quête principale. C'est parti. Je vous laisse profiter un petit peu de pas trop parler, quoi. C'est absolument immonde. Les dangers biologiques donnent envie de vomir. Précis. Cette personne semble être de bonne humeur, bien qu'on l'ait abandonnée à son sort ici. A entendu dire que vous savez éprouver de la compassion et croire que c'est dans votre nature d'aider ceux qui en ont besoin. Vous demande de faire ce qui est juste, en votre âme et conscience. S'étonne de voir que vous avez choisi de ne pas apporter votre aide. Se sentir bien ne rime pas avec faire le bien. Les ténèbres s'installent inexorablement. Il n'est pas trop tard. Les ténèbres n'ont pas encore gagné. Oh, mais nous triompherons. Et on prendra notre temps pour en profiter. Évidemment que ça te plaît, la fin de tout. Même la fin doit s'arrêter un jour, hein? Le temps passe. Tâchez d'agir tant que vous le pouvez encore.
Missa la faille, Bestilka. Bien vu d'avoir tiré parti du cheval pour affronter. Et Kaya Maravka, ti. Espère vous revoir bientôt. Profitez de ce ciel dégagé tant que vous le pouvez. Toute bonne histoire a besoin d'un héros ou d'une héroïne.
L'heure est venue de tracer votre propre chemin. Tigalet dit qu'il a bien plus le moral maintenant qu'il sait par où passer et promet d'essayer les voies que vous avez découvertes. Ça fait trop longtemps que Petit Galet risque sa vie. Il se sentirait mieux si vous pouviez l'aider à rétablir l'équilibre. Il comprend que la ligne entre la vie et la mort s'étiole, mais croit qu'il y a un moyen de surmonter cet obstacle. Il est prêt. Semble heureux que vous partagiez ses ambitions. En altitude, il a toujours les idées plus claires. Ton éclat resplendit. Bah, personne n'aime les gens joyeux. Ils sont pas cool. On est toujours plus cool que toi. Je suis la coolitude personnifiée. Si tu dois dire aux gens que tu es cool, c'est que tu ne l'es définitivement pas. Tigalet est là pour le moment. Vous dit nos problèmes. Bon, pour ce qui est de la quête annexe, c'est terminé. On va prendre le chemin là où on était tout à l'heure, hein, tout simplement, lorsqu'on a commencé la vidéo. On a pris un petit quart d'heure pour faire cette quête annexe et le terminer. Bon, il y a autre chose aussi à faire, la tyrolienne et tout ça, mais bon, laisse tomber, ça sert à rien, on va pas tous les faire, ces trucs-là. Et là, on va directement aller voir Wiz, tout simplement. Directement voir où est-ce qui est ici, je crois. Ouais, voilà. Allez, place le truc là. Et là, ouais, ça on le fera peut-être dans cette vidéo, je suis pas sûr. Mais bon, allez, directement en route pour aller voir Wiz. C'est parti. La nuit tombe comme un géant par ici.
Le jour vous donne presque envie de sourire. Ah, bonne nouvelle. La boutique Petit Marché abrite un camelot de trucs bidules renommés. Voyons voir. Dit que vous aurez une réduction spéciale et un prix d'ami en bonus. Vous avez découvert Luxudru, la jungle la plus dense du pays. Vous allez devoir vous tailler un chemin à coups de sabre. Facile de repérer les dangers proches. Ah là là. Alors on va s'arrêter ici. Je crois qu'il y a quelques ennemis et des petites choses à ramasser. On ne sait jamais. Et après on ira directement voir Wiz. Hein. Bon, c'était sur notre chemin, donc on va s'arrêter à là et voir ce qui s'y passe ici dans la zone Locogare R11F. Alors où est-ce qu'ils sont les ennemis là? Je vois une barre, mais... Oh, putain, il est là. Ok. Allez, c'est reparti.
Une mort rapide. Les héros nous inspirent et nous transcendent. Cette personne semble être de bonne humeur, bien qu'on l'ait abandonnée à son sort ici. Cet homme de... Eh bien, au nom des ténèbres, j'approuve. J'arrive pas à croire que tu te laisses manipuler comme ça. Tu es jalouse parce que tu le fais pas aussi bien que moi. Mais quel genre de personne se vante de savoir manipuler les autres? Je te le donne en mille, les gagnants. Ne trébuchez pas, gardez le rythme. La centrale salino-motrice. N'oubliez pas de rendre visite à Wiz. Voyons voir. Enfin arrivé dans la zone. Eh ben, il était temps. Pour ouvrir toujours plus de lignes, désolé. Toxanol a déforesté en masse. Ce qui a amplifié le réchauffement planétaire, comme il n'y avait plus assez d'arbres pour absorber le dioxyde de carbone et les gaz à effet de serre. Ce bouleversement climatique irréversible a également contribué à l'évolution et à la modification de notre code génétique. Le Wuz n'est pas une langue évidente, mais je crois qu'il est heureux de voir un visage amical. Ça ne... Dit que c'est bon de vous revoir, et qu'il s'appelle Wuz. Vous vous souvenez peut-être de lui. Il vous laissait piloter son octopode il y a longtemps. Enfin, Wuz comprend que tout ça commence à dater, et que plus on remonte loin, plus les souvenirs sont flous. Mais il ajoute qu'il est bon d'avoir des amis avec qui sonder ses profondeurs.
Velir Nila Chale, Vitara Choshin, Tavaremei. Ils ont toujours été là pour vous depuis votre enfance. Mais en partant, vous avez choisi de vous éloigner de tous ceux qui vous aimaient. Il sait que vous êtes de retour pour faire face à Lupa Lupa. Et cette confrontation est aussi inéluctable que les vents et marées. Il n'aurait pas été surpris que la mort de votre famille vous plonge à jamais dans les abysses, mais reconnaît que vous avez toujours été capable de remonter, telle une bulle à la surface, quelle que soit l'adversité. Il pense que vous avez mérité de vous venger, vu ce que vous avez vécu. Vous avez assez souffert pour lui faire payer. Tu sens comme les ténèbres s'installent. Attends, pas la peine de précipiter les choses. Tu dis ça juste parce que t'as la flemme. Moi, la flemme ? Parce que je lutte contre les ténèbres ? Parce que si on t'écoutait, on ferait jamais rien. Vous demande si vous songez parfois à la liberté. Quelqu'un en jouit-il réellement entièrement ? Avez-vous pris les décisions qui vous mènent ici ou n'êtes-vous qu'un jouet entre les mains du destin ? Peut-être que cela s'applique pour vous, mais il n'en est pas certain en ce qui concerne son propre destin. S'étonne de voir que le monde tient debout, mais se réjouit de l'apprendre. Il reste encore tant à inventer. Est impressionné de voir tous les efforts que vous avez déployés pour que le monde continue de tourner. Pense que vous avez bien fait de rejoindre les myriades. Ils disposent de tant d'approches pour traiter les problèmes. Dit que leur unité fait leur force. Whis dit que vous devriez laisser le passé sombrer dans les profondeurs. Cependant, il y a quelque chose d'autre dans les profondeurs de la saline qui ronge l'arbre de vie. Et il l'a baptisé Tortipouf. C'est pour cette raison qu'il bidouille l'octopode. Hélas, le couvercle est coincé, et il a besoin d'un gros tractourneur pour l'ouvrir et vous y faire entrer. Il ne peut pas quitter la centrale. Vous devez donc l'aider à trouver un tractourneur. Une méca-main se balade dans le méca-stade, et elle est plutôt remontée. Elle a un tractourneur sur son dos. Trouvez-la. Cet outil renversera certainement la situation. En tout cas, ça l'aidera à décoincer les coutilles. Ok, nouvelle quête, la méca-main. La méca-main, d'accord, ok. Allez chercher le méca-main dans le méca-stade. D'accord. Bon, on se barre d'ici et on va directement vers le lieu. Il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai pas grand chose à dire parce que bon, là, vous connaissez un petit peu le chemin. Hein. Faites attention sous la pluie, d'accord ? Ouais, d'accord. vous savez comment ça marche hein, maintenant. Hein, c'est toujours le même délire, quoi. Toujours le même refrain. On avance et on avance, voilà. Il y a certaines parties où je vais pas trop parler, d'autres que je vais parler. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Allez, on prend ce qu'il y a là. Parfait. La sortie est par là. On va prendre notre cher ami. Et on va aller directement vers le méga-stade. Le méca-stade, pardon. Allez, hop, on se lève. On met sur le truc et on y va directement. Alors, voyons voir ce qu'il y a ici, déjà. Alors, là, c'est pour avoir des pouvoirs de psy en plus. Voilà, seulement on fait 8. Parfait. Voilà. Il serait moins humide dans un marécage. Ouais, bon, c'est bien. Allez, monte. Et on retourne de là où l'on vient. Allez, go. Je prends ça, ça fait... Ouais, d'accord. Oui, merci. Il parle à chaque fois que je fais un truc, mais c'est pas possible. Voilà. Pourtant, j'ai baissé le niveau de dialogue, mais il continue à parler, ça, quoi. Hein. Bon, allez, on retourne, on va directement vers le méca-stade pour récupérer le méca-main, hein, qui va servir pour notre cher ami.
demeure antique. Ça pourrait être intéressant. C'est un cabanon. Je me demande s'il y a encore quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Vous avez trouvé un tas de briques qui tient encore à peu près debout. Sans vouloir trop vous aider, le Nekastad est dans le coin. Ah là là, il était relou celui-là, hein. Il défendait la zone, hein, ce petit enfoiré. Mais bon, on a réussi à l'avoir, ça va. On a changé une arme qui est assez efficace, donc c'est pas plus mal. Ok, trouver un moyen d'ouvrir la porte. Alors. C'est verrouillé, j'ai verrouillé. Eh bah oui, ça j'avais compris, merci. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas quelques petites choses à fouiller ici? On va monter peut-être à l'étage, il faudra faire tout le tour par au-dessus, je pense, hein. Alors là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok. Parfait. Tac, tac, tac. Il n'y a rien. On va redescendre par là. Voilà. On aura fait tout le tour. Ah! Voilà. Il n'y avait pas de courant. Très bien. Allez. Oh, bon, ça, c'est le même tarif. Le même délire qu'on a fait déjà plusieurs fois. Ça, c'est bon. Ça, on va le tourner comme ça. Ne les gâchez pas. Oui, merci. Oh, là, il est relou, hein. Et ça, comme ça. Voilà. C'est bon. C'est terminé. Déjà fini. Voilà. Parfait, parfait. Ça ouvre la porte qui est ici aussi, qui était bloquée. Et voilà la méca main que je vois d'ici. Allez. Je vérifie qu'il n'y a pas quelque chose à fouiller dans le coin, on sait jamais. Ah, un tiroir. Allez, hop. Très bien. Très bien. Au-delà du soin en plus, c'est pas plus mal. C'est parfait. Là c'est bon, là c'est bon. Ok. La méca main. Alors, on va déjà fouiller tout ce qu'il y a autour. Et après, on ira directement voir et libérer la méca main qui, à mon avis, attachée par je ne sais quoi. Voilà. Vous devez desserrer les vis sans les frayer. Ok. Casse-tête rotatif. Tac, tac, tac. Là, comme ça. Voilà. C'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Parfait. Voilà, le tracteur est desserré. Espérons que ce soit suffisant. Ben, j'espère bien. J'espère bien. Chevaucher le mec à main. Ah oui, carrément. D'accord. Il est même équipé, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, on peut viser avec la mec à main aussi. Attendez. Oh, génial. Oh, c'est la grande main de la famille Adams. C'est la main géante de la famille Adams. Sauf qu'elle est jaune, celle-là. Elle a... Celle de ma famille Adams, elle est blanche. Bon. On va aller faire tout le trajet comme ça, parce qu'elle est pas rapide, hein, cette petite main, quand même. Bon. On va essayer d'avancer du mieux qu'on peut. Et après, si on trouve que c'est vraiment trop, trop long, le trajet, ben, on retournera sur le dos de notre petite bichette. Hein. Ça ira beaucoup plus vite. Allez, on retourne voir Wiz.
Il pensait que le trap-tourneur ferait l'affaire, mais comprend que la force ne suffira pas. Il faut quelque chose pour que ça glisse. Il dit que c'est une option si vous voulez casser des trucs. Mais dans ce cas, il faut le garder intact pour éviter les fuites une fois sous la saline. Il dit que le couvercle devrait s'ouvrir avec un peu de lubrifiant. Le problème, c'est qu'il n'en a plus. Il sait que son vieil ami Chouchou a toujours des graisseurs bien remplis. Il devrait pouvoir vous en prêter un. Il insiste pour que vous reveniez dès que vous aurez mis la main sur un graisseur. Oui, il a entendu dire qu'il était actuellement arrêté au terminus. Ça devrait être plus facile de le retrouver que lorsqu'il se déplace sur ses rails. Très bien. Alors, nouvelle quête principale, le graisseur. Retrouver Chouchou au terminus. Bon, parfait. Allons voir Chouchou au terminus alors du coup. C'est parti, on reprend. Là je pense pas qu'on va reprendre le mécamin, hein, parce que le mécamin il est pas assez rapide, hein. On va mettre je sais pas combien de temps pour arriver jusqu'à là-bas. Ouais, oui, blablabla, laisse-moi tranquille. Ok, Weasel, d'accord, très bien. Je pense qu'on va aller directement par là. Ça nous ferait un petit raccourci. Et on pourra aller directement vers la direction. Alors désolé hein, si je parle pas beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit. Parfois, bon, il n'y a que des trajets à faire. Là, c'est la dernière ligne droite. Hein. Je pense que c'est peut-être l'avant-dernière vidéo. L'avant-dernière vidéo de l'aventure. Et après, on enchaînera la dernière vidéo la prochaine fois, je pense. On verra. On va descendre déjà avec la mécamin ici, comme ça. Et après, je prends, une fois qu'on sera en bas, de prendre le toutou. Parce que là, la mécamin, elle n'est pas assez rapide. Ouais, ça va être long. Ça va être long. On va essayer d'avancer un petit peu. Au moins un petit peu, et après, si vraiment on trouve que c'est très long, on ira prendre la bichette. Hein. Vous avez atteint le terminus. Chouchou est sûrement dans les parages. Pas ça, t'en compte pas.
temps, bon, le karma existe. Le monde change et nous changeons. D'accord, merci. Alors, on va fouiller un petit peu la baraque autour. Et après, on ira voir notre cher collègue Chouchou. Alors, ça, je prends. Oui, super. Il me saoule, je vous jure, il me saoule, ce mec. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok, ok. On va essayer de monter à l'étage. Hein. Parce que là, dans cette zone, je vois rien. Il y a un petit truc par là, j'ai l'impression. Ah oui, la cabine téléphonique. Faites tourner les poignées pour alimenter le câble. Oui, merci. Allez, tac. Ça, on tourne comme ça. Et ça, comme ça. Voilà. Ne les gâchez pas. Ouais, bah c'est bon, je l'ai déjà fini, frère. C'est branché et le vrai a fonctionné. Ok. Bon, bah très bien. Voilà, merci, merci, merci. Nouvelle tenue, nouveau. Ok, quête Alex terminée. Bon, on a fini les drink-drink. Ok. Bonne quête, Prince Alex. Fini, c'est parfait. Hein. C'est parfait, c'est parfait. Il y a autre chose à fouiller. On n'est pas monté à l'étage, je pense. Ah, le globe. Le globe, le globe, le globe. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Il faut faire pivoter les paliers du globus. Il faut faire pivoter les paliers du globus. Il n'y a presque plus de lumière. Chouchou savait que vous finiriez par venir à sa rencontre. Tout ce que vous aviez à faire, c'est de suivre le chemin d'acier. Les voies ferrées peuvent bien rouiller, mais elles finissent toutes par converger vers lui. Se demande qui n'aime pas les règles ou les voies ferrées. Elles vous maintiennent sur le droit chemin et vous emmènent jusqu'à chez vous. Dit que vous avez suivi les voies ferrées jusqu'à l'endroit où vous deviez vous trouver. Mais les rails sont également soumis aux aiguillages. La question c'est, est-ce que vous voulez vous contenter d'un seul chemin ou trouver un moyen de vous en détourner? Quel que soit le chemin que vous empruntez, il tient à ce que vous sachiez que les voies ferrées ne vous guident jamais au mauvais endroit. Suivez-les et vous atterrirez toujours là où vous devez vous trouver. Apprécie votre certitude, la façon dont vous avancez telle une loco dépourvue de marche arrière. Ne saurais trop vous remercier d'avoir enclenché les freins et de tout faire pour aiguiller la loco du monde dans la bonne direction. Mais ne dit qu'il est surpris de voir quelqu'un s'aventurer aussi loin. Mais parfois, le mauvais train peut vous mener à la bonne gare. Il a déraillé depuis que le monde a commencé à décliner. Mais il s'est efforcé de rester positif malgré la situation. Se dit que c'est vrai, mais qu'ils peuvent vous rapprocher de presque tout pour de nombreuses raisons. C'est un bon point de départ. Il est convaincu que les rails sont comme des chemins que nos vies empruntent et qu'il nous faut composer avec les conséquences, même si on n'en est pas à l'origine. Cette fois, cependant, il a déraillé et aurait besoin d'un nouvel écrou à elle pour se remettre sur les rails. Les écrous à elle sont faciles à repérer.
car on en trouve sur toute Loco de Tête par ici. La difficulté, c'est de les détacher. Il est donc ravi que vous vous en occupiez à sa place. Dit que vous êtes comme lui quand il était plus jeune. Quelqu'un qui fonce, mais qui va là où il faut. Elles sont où les ténèbres maintenant, hein? Quoi? Hé! Hey! Oh, attends! Je suis là, hein? Tiens, quelqu'un a dit quelque chose? Je sais très bien que tu m'entends. Fais pas semblant. Allô? Il y a quelqu'un? Ok, nouvelle... L'écrou à elle cassée. D'accord. Alors là, ça fait un peu loin le trajet, hein. Ça fait largement loin. Non, ça peut être tellement loin finalement. Qu'est-ce que je voulais faire? Tac, tac, tac. Ça, on peut améliorer. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais voir ce que je peux faire là. Quelques petites modifications pour améliorer mon armure. Ce serait pas mal. Je ramasse pas beaucoup de choses, hein, en fait. Vous avez vu là en bas le coup de machin. Il faut que je loot encore plus, hein. Parce que là, niveau loot, c'est pas ça. Hein. Je peux pas améliorer parfaitement mon truc, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut et puis c'est tout, quoi. Bonne année, monture, gentil, pas faire bobo.
Allez, allez, on est bientôt arrivé au terminus. Enfin, pas au terminus. Ça, c'était la mission précédente. Le loco tunnel. Ok. Faut aller chercher un écrou. Bon, bah très bien. On rentre à l'intérieur et on va voir ce qu'on peut dénicher. Ok. Allez, voyons voir. Il y a pas mal de petites choses à fouiller là-dedans. Hein. Tac. Là, je vais fouiller. Bim. Voilà, merci. Tac. Là, il y a des choses à fouiller aussi, mais apparemment, je peux pas passer. Il faudra descendre en bas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des ennemis, ça. Allez, boum. Allez, viens là, toi. Avec ton truc bizarre. Allez, voilà, enchaîne-le. Il a réussi à esquiver, ce con. Allez, vas-y, enchaîne. Allez. Allez, go. Allez, encore un coup. Voilà, c'est bon. Ton petit collègue, là. Tu vas te calmer, toi. Hein. Allez, vas-y, enchaîne. Bouclier terminé. Ah ouais, je sais. Allez. Boum. Allez, crève. Voilà. Bon, allez. On ouvre ça. Parfait. Tac. Faudra monter en haut, je pense. Ça sent sacrément le renfermé ici. Ouais, super. Là, on va fouiller encore. Il y a beaucoup de choses de loot, hein. Nouvelle protection. Nouvelle armure, je veux dire. Non, on va fouiller là. Boum, le soin. Voilà, enfin, c'était des pansements, je crois. On va passer par là. On va remonter en haut. Allez. Et merde, il y a encore des ennemis. Et une tourelle. Allez, enchaîne. Allez, vas-y. Boum. Allez, crevez ça. Ah, ça fait mal, hein. Hey. Allez, casse-toi. Toi, là-bas, là. Viens là. Voilà, ça va pas... Il n'est pas assez de... Il n'est pas assez puissant, le truc, hein. Allez, crève. Allez, encore un coup. Boum. Voilà, c'est bon. Il n'y en a pas un autre? Non, c'est bon. Ok, on les a tous eu, parfait. On ouvre ça, parfait. Il y en a une partie là. Voilà. Ok. Une autre partie là. Vas-y. Voilà, parfait. Ok. On prend ça. Et on passe par là. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Là, je crois qu'il y a des ennemis encore. Allez, viens là. Aïe. C'est pas assez puissant, ça. Hein. Enfin, c'est pas que c'est assez puissant, ils sont en niveau... Oh là, faut que j'attaque la tourelle là-bas au fond d'abord, parce que... Celui-ci, il va me causer des emmerdes. Voilà, tourelle, casse-toi. Voilà, c'est bon. Ok. Là, on peut rester tranquille avec lui. Allez, vas-y, enchaîne. Allez, tire. Voilà, vas-y. Allez. Voilà, c'est bon. Et le dernier... Casse-toi. Descends de là. Charge. Voilà, parfait. Bon, bah ça y est. On a fini avec ces sbires. On va ouvrir ça. D'accord. Tac. On va essayer ça. Voilà. Trouver un moyen d'obtenir l'écrou. Ouais, bah j'ai compris, merci. Là, il y a quoi à fouiller là. Boum. Très bien. Et on part de l'autre côté. Là, il n'y a plus rien à faire. Allez. Hop. Là, je vérifie qu'il n'y a plus rien apparemment. Non, c'est bon. What? Pas monter par là? Et? Ah oui, d'accord, ok. Je m'ai pas vu. Et hop là. Ah, bah voilà le truc. Il est là. Ah non, c'est un mécanisme, d'accord. Bon, ça, c'est facile, voilà. Okay. Maintenant, les casse-têtes, c'est encore que secondes, hein, maintenant. Hein. Ils se ressemblent tous. De toute façon, ils sont tous pareils. Voilà. Encore un mécanisme et le courant. Bon. Alors. Tac, ça, c'est bon. Celui-ci, on va le bouger comme ça. Celui-ci, tac, comme ça. Voilà. Alors, c'était pas compliqué, finalement.
Pas compliqué, pas compliqué. Allez, ouvre-moi ça. Ok. Bon, alors, on va retourner voir machin, là. Chouchou, et c'est bon. Et on validera la mission. Voilà, c'était pas si compliqué que ça, finalement. Voilà, c'est une petite mission assez rapide. Tac. Voilà. On va pas... on va reprendre le chemin ici, voyage rapide, voilà. Tout simplement. Ok. Le soleil brille intensément aujourd'hui. Chouchou dit qu'il savait que vous viendriez. Si quelqu'un fait une halte dans ta gare, c'est pour une bonne raison. Mais il comprend que personne ne fait graisser ses rails gratuitement. Il le garde en sécurité, dans une boîte sur son diable, en cas d'urgence. Sur le diable, il la garde toujours à portée de main. Généralement, le temps est compté en cas d'urgence. Chouchou dit que vous devriez récupérer le graisseur. Il s'agit d'un outil polyvalent des temps passés, le dernier de la sorte. Alors ne le laissez pas moisir ici. Il est convaincu que vous en ferez un bon usage, car de nombreux cadenassés attendent un petit graissage pour s'ouvrir. Semble heureux de vous l'entendre dire. Vous êtes sur la bonne voie. Chouchou vous... Chouchou dit qu'il a hâte de partir d'ici. Quoi? Assure à vous. N'hésitez surtout pas à détruire la boîte. Chouchou n'en a pas besoin pour l'instant. Chouchou dit qu'il se sent absolument prêt à aider son prochain, tout comme vous l'avez fait pour lui. Il est convaincu que si vous vous êtes rencontrés, c'est qu'il y a une bonne raison. Parfois, le mauvais train peut vous mener à la bonne destination. Il croit que vous êtes capable de changer les choses. Il a pu le constater de ses propres yeux. Dit qu'il ne parvient pas à apercevoir votre terminus. Mais si vous vous arrangez pour bien graisser les voies ferrées, il espère que vous apprécierez le voyage. Oui. Chouchou est ravi que vous ayez trouvé l'arche. Ce truc doit aller tellement plus vite qu'une loco. Et pas besoin de rails en plus. Oui. Parie qu'elle va encore plus vite que ses locaux. Rien que d'y penser, il en a le vertige. Le monde est en voie de guérison. Il n'est plus nécessaire de partir. Mais quand on pense à tous les endroits qu'on pourrait découvrir avec l'arche, dit qu'il se demande qui vous inviterait à bord de l'arche. Cette situation est une opportunité d'aider tes proches. Il reste une place à bord de l'arche. Si tu veux l'offrir à quelqu'un en gage de reconnaissance. Un choix conscient de laisser les autres signifie qu'ils ne te manqueront pas. Ce qui nous manque ici, c'est quelqu'un qui ait de la compassion. Toi, ta seule passion, c'est toi-même. Le monde irait mieux s'il ne restait que nous pour prendre les décisions. On aurait juste à discuter entre nous. C'est comme ça qu'on obtient les bonnes réponses. Tous ceux ayant un tantinet de jugeote sont d'accord pour dire que tu t'en sors mieux par toi-même. Espérons que l'arche te transporte jusque là-bas. Espère que vous trouverez une meilleure personne pour vous accompagner dans l'arche, si une telle chose est possible. Chouchou dit qu'il est prêt à faire ses bagages et s'en aller. Espère vous revoir bientôt. Bon, parfait, niveau 19. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement vers la mission, hein, retourner voir Wiz. Et une fois qu'on aura fini de parler avec ce monsieur, on s'arrêtera là.
on s'arrêtera là pour cette partie de Biomutant. Voilà. Et on ira faire notre quête principale, la suite de la quête principale, lors d'une prochaine vidéo. Et je pense que ce sera la dernière vidéo lors de... Enfin, la prochaine fois, quoi, tout simplement. Whis dit qu'il serait inconscient d'aller affronter le Tortipouf avant que l'octopode ne soit complètement armé. Il est heureux de vous dire que le canon qu'il a inventé est fonctionnel et manque juste de munitions. On raconte que certains des pyrobâtons de Boom se sont tirés tout seuls et se promènent à présent en liberté. C'est comme une bombe sur un bâton qui va très très vite. Votre intelligence est sans égale. Cette expédition est en train de prendre des proportions épiques. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette partie de Biomutant, la 9e partie il me semble. Et on va essayer de faire cette mission la prochaine fois, hein, trouver le pyro-bâton, je sais pas quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner évidemment, et on se retrouvera très prochainement pour la suite de l'aventure. Allez, à la prochaine, ciao, bye bye.